Salut à tous, c'est bien sur Magic Arena FR. Comment ça va, Fou? Ça va très très bien et toi? Ça va très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour encore un petit peu de Standard 2022. Eh Finalement, oui. on racle le fond de la marmite. On a trouvé de quoi faire un nouveau petit bouillon avec ce deck Gruul. Sympatico, sympathique. Très straightforward, comme on dit. Voilà, on va tout droit, on va dans la bouche. Assez simple. Ça rappelle un petit peu les decks Gruul qui ont pu être joués en Standard classique. Du C'est coup, ça. ça peut permettre à ceux qui se remettent un peu à Magic cet été ou quoi de reprendre un ancien deck qu'ils avaient. Vous avez sûrement les trois quarts du deck, vous ajoutez quelques petites cartes, commune, unco, une petite rare, une petite classe rodeur de la nouvelle extension, et vous avez ce deck-là. C'est ça, ça recycle votre deck de standard en standard 2022, et ça c'est plutôt sympa, et ça propose un petit gameplay. En attendant, historique Modern Horizon, historique Jumpstart Horizon, pardon, ça devait sortir, mais pour ceux qui sont pas au courant, ça a été repoussé au 26 août. Donc forcément, petit contenu de transition sur la chaîne en attendant. Exact. Avant de parler un peu plus de la decklist, même si voilà, vous connaissez, c'est du Gruul, hein, ça va tout droit. Merci beaucoup à nos sponsors, Playing My Magic Bazaar, Code Valet PL 2021 sur leur boutique. Ça fait plaisir, ça nous soutient. Donc merci à tous ceux qui l'ont utilisé, qui Merci beaucoup. l'utiliseront. Ça vous donne 50% de points de fidélité supplémentaires et ça fait des bons achats. Et ça régale parce que les bons achats, on adore ça. Vous aimez les bons achats. On aime les bons achats. Tout le monde aime Tout les le bons monde. achats. Nous, on adore les bons Ça fait d'achat. plaisir. Et merci aussi à Instant Gaming si vous voulez nous soutenir. Lien d'affilié dans la description. Si vous utilisez déjà le site ou si vous ne l'utilisez pas, bah n'hésitez pas à cliquer dessus. C'est exactement le même site, sauf que ça nous soutient quand vous achetez des jeux du coup en passant par là et vous les achetez moins cher sur Instant Gaming. Donc voilà, pourquoi pas. Merci à ceux qui passent par le lien d'affiliation. C'est ça. Et puis enfin, on anticipe la confiance, un Et la maximum de confiance, ouais, pouces bien sûr, bleus. j'oublie la confiance. Vous déroulez aussi la description parce qu'on met plein d'infos, notamment nos différents réseaux sociaux. Et si vous voulez échanger dans les commentaires, ça sera lu, bien évidemment. Voilà, merci énormément. On part direct sur Exactement. la petite decklist Gruul. Alors, c'est pas Ouais. une decklist que vous allez énormément croiser. Hein. C'est encore une fois un petit bouillon histoire de se faire plaisir et de patienter. L'idée ici, c'est vraiment de transitionner de la version de standard à la version de standard 2022. On a quand même pas mal de bonnes cartes. L'avantage, c'est qu'on n'a pas besoin de jouer les jeux parce qu'on a le repère de l'hydre, qui est une excellente carte. En finale, je pense que c'est une des cartes de Donjons et Dragons qui s'est insérée même dans le standard, dans le vrai standard, et pas forcément dans le standard 2022. Donc c'est pas grave, voilà, on n'a pas besoin de jouer les jeux pour l'avoir sans visage. On peut avoir de la résilience contre les decks contrôle avec ce repère de l'hydre. Et l'idée, bah, c'est de jouer des très très bonnes cartes comme le Chevalier d'Ezika et le Dragon d'Orpon, avec l'accélération de base de Sentinelle de Jaspera et de Magda, qui sont des synergies qui marchent aussi en standard, mais en Ouais. standard 2022. Et d'aubergiste. Et d'aubergiste, bien évidemment, qui lui, en créant un trésor, va permettre de faire un tour 3 Chao d'Ezika ou un tour 4 Dragon d'Orpon. Donc ça marche plutôt très très bien. Et puis on a la classe Rodeur qui est là pour grinder un petit peu, ou alors pour mettre juste de la pression en début de partie. La Blâme Fulminante, parce que ça gère les dragons, hein, tout simplement. Et ça gère aussi les Planeswalkers. Ça a de la valeur en ce moment parce qu'il y a beaucoup de Lotz, de Professeur Onyx, de bons Planeswalkers. Donc avec Blâme Fulminant, ben, quand ils ont fait leurs effets minus, eh ben, on peut directement les tuer. Donc c'est Ça, c'est bien. plutôt une bonne idée, sinon ça dégage un bloqueur hein, globalement. Et voilà, c'est un deck qui est simple dans sa conception. Ce qui est aussi très satisfaisant, c'est qu'il fait jamais full parce que vous avez que 21 landes, mais il fait jamais death parce qu'en fait vous avez 7 dual face land en fait. Celles dual face card qui sont des landes, ce qui porte votre compte total à 28. Donc voilà, c'est un deck qui est très très middle, très facile à appréhender, facile à Ouais, jouer. genre si vous voulez pas jouer mono blanc, pas vous prendre la tête, c'est une bonne alternative, Ouais, quoi. je pense que c'est un deck qui est cool. D'ailleurs, j'ai l'impression que ce deck, il est pas si mal contre tous les mono-noirs qui pullulent, parce que Class Rodeur, ça fait quand même de la value, Ouais. ça met la pression tout seul. Que Dragon d'Orpon, bah, c'est Haste, donc tu vas mettre quelques points. Et que Chariot d'Ezika, ça ne prend pas les C'est Wrath. exactement ça. Du Bah coup, je justement, pense que ça s'en sort pas trop mal. en stream, j'ai grindé un mono noir qui a passé maintes et maintes du sang sur la neige. Je crois qu'il a passé ses 400 dans la neige. Et j'ai quand même gagné la partie grâce à Dragon d'Orpon et Class Rodeur. Donc c'est exactement ce que tu spécifiais. J'ai eu l'exemple en live. Et donc ça fait plaisir. C'est-à-dire que c'est un deck très actif, très proactif, mais qui est quand même capable de se dépatouiller des jeux contrôle parce qu'il a un petit peu de résilience en late game, ce que Mono Blanc a difficilement, pour être très honnête. Ça m'arrache le cœur de dire ça, c'est que Mono Blanc c'est mon bébé, mais face à tous les decks contrôle base Mono noire qui bébé. jouent du sang sur la neige avec les blêmes titubantes et tout, c'est vrai qu'on commence à peiner, quoi. Et pas à peiner rigaté. Qui sont d'excellentes pattes. Très bonne, j'aime bien. Vous savez qu'il y a toujours débat sur les pattes. Les peinés, je crois que tout le monde est d'accord, c'est très ok. C'est pas Ouais. les meilleurs, mais c'est pas les moins bonnes. Donc c'est du. Dans la tier list, on les met où les coquillettes? Ben, les gens sont très fans de coquillettes parce que ça se mange à la cuillère et tout, mais en termes de texture, moi je trouve ça un peu mou de coquillette. Moi j'aime bien quand il y a de la puissance Quand dans c'est la cru, pâte. quand ça croque. Pas quand c'est cru, mais quand c'est al dente et une coquillette, c'est difficile d'être al dente, tu vois. Ouais, je Donc vois. j'aime bien la coquillette, mais c'est pas top pour moi. Une main qui se garde, ça. Ouais. C'est pas en haut de la tier, quoi. Pour le coup. Moi tu vois, j'aime bien plus des trucs comme des farfales ou des coudriers, tu vois. Ouais. J'aime bien. Mais tu peux faire des risottos aux coquillettes. Ah bah tu fais ce que tu veux, hein. Ça, c'est dinguerie, ça. On peut faire des coquillettes au sucre aussi. Hein.
C'est bizarre ça. Je pense. Impactu. Zampacto. Zampacto. On va pas trop s'accélérer, mais double classe rodeur, ça fait pas plaisir. Moi, la sortie curvée me va très bien. On joue encore une fois une Bazarzov avec des anti-bêtes de masse, hein, ce dont on vous parlait. Il n'y a plus que ça en ladder 2028. Ça pourrait. On vous rappelle, IZ Trésor, ça marche très très bien contre ça. C'est vrai que IZ Trésor, dans la double deck tech qu'on a fait récemment, est très bien. Ouais, ça marche très très bien contre ça. Si jamais vous voyez pas ce qu'on veut dire, parce qu'on a fait une deck tech Jund. Et dedans, on a mis IZ Trésor. Donc, si vous n'avez pas cliqué parce que vous voulez pas voir June, vous pouvez cliquer pour voir la deck tech IZ Trésor dedans aussi. Ouais. Ok, il a un petit verset. Il joue Sphère Control du coup. J'en ai affronté quelques-uns. En gros, ça joue Sphère Control avec des leçons. Et ton road curse, c'est Mordenkainen, Onyx. D'accord. Toutes ces cartes-là. Là, tu peux Mammouth Pass. Et t'as du sang sur la neige, évidemment. Et ça. Et non. Merde. Ma carte. Où ça, la neige? Où c'est-ce? Ton prochain, tu pourras faire soit chariot, soit classe rodeur. Du coup, je vais pas attaquer pour garder mon board. Non, tu peux faire classe rodeur buff et je peux attaquer avec mes deux cartes et buffer la 2-2 pour qu'il ait pas de bloc. Ah, c'est 2 pour buff? Ouais. Ah, effectivement, je crois que c'était 3. Hein. Ouais, t'as raison. C'est mieux que Blame Fulminant, ouais. Est-ce qu'on peut attendre là? Blame, on va le garder pour Mordenkainen ou Onyx. C'est des cartes qu'on gère vraiment très mal. Donc, ouais. Il faut le dragon qu'on pourrait chercher. Il s'accélère. Alors vous avez compris, contre ces decks là vous gagnerez pas à l'aggro pur et dur. Il va avoir des bloqueurs, il va avoir des anti-bêtes, il va avoir des brasses. Non, là ce qu'on veut, c'est le grinder. Et c'est possible. Et c'est possible. Si possible. Donc land rouge, classe rodeur buffé. Contre les vampires. Buffé contre les vampires. On sort ta blague que j'aime beaucoup. Oh malheureux. Il a failli faire la bêtise. Attaque donc avec ça. Hop. Et là, c'est bien, on met la pression avec une bête et deux enchantements. Très cool. Pas d'autres bêtes de la main. Non. Il faut garder la ressource. Faut vraiment. Le côté mono blanc, je te bourre très très vite. Marche plus, ça. Pas possible. Ou alors, ça marche contre les gens qui respectent App. Mais lui, laisse-moi te dire qu'il respecte fort. Attention, deux mana blanc. C'est la petite race qui part. Ça, c'est le Domscar qui part directos. On est OK avec ça. On sait en fait. Il est pas full tap, on va quand même essayer de passer chariot, mais level up la classe c'était pas mal. Il a pas de mana, level up la classe, c'est-à-dire qu'on met pas de pression, ça veut dire que c'est negate qui nous bat là. Ouais. Moi negate, je la prends, c'est pas grave, je tourne pas autour quoi. Ou bot dédaigneuse. Mais okay. Je suis pas malheureux de pas avoir tourné autour. Ouais. C'est genre très fort. Très fort d'avoir la séquence parfaite quoi. Ok, on peut sentinelle mammouth. Ah non, on peut pas sentinelle mammouth. On va vite fait se prendre un Mordenkainen là, ça fait un peu chier. Par contre, je peux aubergiste mammouth si je veux. Oui, tant qu'à faire, tu mets deux bêtes. Attends qu'il gère pas la classe, n'importe quelle bête qui reste sur le board, ça va devenir problématique. C'est bon, si. On gagne un PF, ça peut être important. Est-ce qu'il joue des burn spells? Pas du tout. Non, mais il joue Onyx, donc. C'est un peu un Burn Pendulker. 7. C'est actif dès le tour prochain. Et il fait un petit du sang sur la neige et il réanime un truc. Ouais, ou il va chercher une. Ce deck là est insupportable. Cet Esper neigeux là, il est. Oh, comme ça. C'est vraiment. Moi je ferais Class Roder up, non? Direct Class Roder up. Ouais. Ça sert à quoi de EP si on n'a pas de bête? Pour que la prochaine qu'attaque elle mette double, tu préfères pas plutôt loup. Avoir un sentinel qui va attaquer? Ah mais oui, c'est vrai que tu crées un loup, je comprends. Je dis des bêtises. Ah, du coup, le loup, il attaque, il devient 4-4. Il va draw 2. Faut qu'on ait... Eh, hey, on n'a pas plus de cartes que lui, donc c'est bon. Faut pas jouer. Si il va... Ouais, en fait, en le castant, il avait une carte de moins, donc il allait draw 2. Ça marche, ça, en le castant, il avait déjà une carte de moins? T'es sûr que c'est pas au moment où tu... C'est quand tu résous, en fait. D'accord. C'est pas une condition de cast. Ça, c'est vraiment le melting pot du contrôle que. Enfin, les mecs ont des Domscar, des sang sur la neige, plein de trucs. Garde deux au-dessus. Enfer. Là, je crois que je fais phase d'attaque et level up, ça après. Ouais. Alors, le secret de la victoire contre ces decks-là, c'est Dragon d'Orpon, évidemment. On va aller chercher, hein. Ah, avec ça. Mammouth n'est pas un dragon d'Orpon. Non. On va d'ailleurs lander, je pense. Ouais. Pour pouvoir jouer dragon d'Orpon à un moment. À un moment donné. Mandonné, quoi. Il est quand même
très très bien sorti, là ça commence à être compliqué. Ah ouais, d'accord, il joue ça aussi. Alors moi, ceux que j'ai affronté, je jouais pas ça. Lui, Lui, lui il s'est dit, tant qu'à faire, je mets toutes les saloperies du format. Non mais comme ça on est tranquille. Sorti des mascottes. Probable qu'ils finissent par y arriver. Ouais. J'ai l'impression que la mécanique Learn, ça a été fait pour le standard 2022. Un peu, bah pour un, c'est surtout pour un format en BO1, hein, c'est qu'ils n'ont jamais voulu, et ça je ne comprends pas, ils nous ont jamais donné un format BO3 en standard 2022, ça n'a aucun sens. C'est de, pour moi, c'est de la paresse. Ouais. Tu vois, et c'est vraiment très dommage. Parce que du coup, ça donne des formats comme ça, où on joue juste un melting pot de plein de bonnes cartes avec des leçons, alors que c'est vrai qu'on aurait quand même pas mal d'autres options, je pense, si on était en BO3. Ouais. Ils ont carrément banni des cartes qui n'avaient pas de sens d'être bannies si on avait eu du BO3. Tu peux escogriffe. Ok. Il a tout. Hein. Il Tu a, peux il doit blâme la... toujours en foire, hein, quoi. Blâme la 4-4 et Sentinelle. Ouais. Qui bloquera bien les Batfly et on va lander Mammouth. Même si on a un autre land qui arrive en jeu. Enfin, qui arrive dans notre main. C'est fou, il a mis vraiment tout ce qui est. Il joue peut-être en commander, genre il joue que des one-off. Ah, il doit avoir pas mal de fois 2 fois 3, ouais, mais dans des decks contrôle qui piochent beaucoup comme ça, ça a beaucoup plus de sens que dans des decks aggro. Ça me gêne moins. Sur les incohérences mathématiques, t'as un peu plus le droit en contrôle en fait. Ouais. Parce que t'as des spells qui sont synonymes, que t'es Domscar ou du sang sur la neige, tu feras le même taf au bout d'un moment. Je crois que je vais. Oh, tu peux trade le 2 en fly, hein. Je traite comme ça. Toujours ça de prix, ouais, vu que t'as une sentinelle que tu vas vraisemblablement pouvoir caster. Faudrait qu'on ait des dingues sur le dessus du pack. Double land, pas de dingues ici. Sentinelle, anti-bête sur 3-2. Je crois pas, je crois que ça je vais garder. Bah, quoi que. Il y a des bas, hein. Il y a des bas, parce que là je bats plus en plein soccer, mais peut-être qu'on est tellement bas qu'il faut espérer qu'il l'est juste pas. Ouais, je crois qu'on en est là. Ouais. On va prendre 7 points. On a pris anti-bête, Vras. Vras. Contre Vras. C'était déjà perdu. On a pris anti-permanent. Ouais, c'était poubelle. On peut partir. On pioche forêt. Même avec un petit loup. Ils sont durs à battre ces decks-là avec ce qu'on joue. Par contre, voilà, si jamais vous avez des magma opus et compagnie, ça se bat assez facilement. Bah là, du sang sur la neige, c'est un peu tard, donc on aurait pu mettre la pression. Mais grâce au blanc, il avait plus de gestion de permanent et d'Omscar. Donc, complicado, quoi. Il avait tout. Très compliqué à battre. Quand tu joues un jeu créature, ces decks-là, ils sont très compliqués à battre. Encore une fois, c'est dû à la spécificité du BO1 qui ne permet pas de t'adapter. Après ça, on aurait pas mal de cartes qui sont capables d'outrepasser ça. Typiquement des vortex, des trucs qui mettent des dégâts à distance, des planeswalkers, peut-être d'agression. On pourrait s'adapter, mais en BO1, tu peux pas jouer ces cartes-là dans ton deck main deck. On va la garder. Hein. C'est pas mal, ouais. Ouais. T1, T2, T3. T2, T3, T4. J'étais fou, j'étais bourré. Non, mais c'est bien. J'en avons. Pas cure backsuck. Oh, mon petit drop 2, ça. Ouais. Si on pioche pas de chariot, d'ailleurs, on va jouer Magda plutôt qu'aubergiste. Non. Aubergiste, ça nous assure d'avoir un dragon d'Orpon, mais. Peut-être qu'il va juste pas gérer Magda, ouais. Aubergiste, ça aurait pu être un nain, franchement. C'est vrai que ça aurait fait une petite synergie sympa. C'est vrai qu'il est pas si grand, hein, cela dit. Hein. Alflin. Ouais, c'est juste pour nous faire chier. Demi-homme. En fait. Ouais, bon, bah, ce petit mammouth, petit trésor. Donc lui, je t'explique, il va commencer aussi à nous faire chier. Ouais, mais vu ses couleurs, c'est pas Domscar. En tout cas, pas le tour prochain. Peut-être qu'il faut revenir à la version de Croquis qu'il avait démocratisé il y a, au tout début de Standard 2022. Tu joues ça avec en haut de curve des. Vu que t'as des trésors, hein, en haut de curve, tu joues des. Comment il s'appelle celui-ci? Des Shadow of the Scald. Ouais. Ça peut être pas mal, hein. Sans jouer de land blanc, quasiment. Sans jouer de land blanc, ouais. Tu jouais juste des Passway of Scholar. C'était pas idiot. Mais t'avais Magda et Aubergiste qui te permettaient vraiment de lier le tout. Fonctionnaire, quoi. C'est bien, ton dragon te permet de casser ton autre dragon. Oui.
Mais j'ai peur qu'il ait. Il a des anti-bêtes à deux, rien. Déjà, Ah bah. lot of value, quoi. Ok. 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 Et là, s'il a contre, c'est chiant. Du coup, est-ce qu'on passe pas par Mammouth et Par Aubergiste? aubergiste mammouth, quoi. Et il a effectivement un jeu t'ai vu. Qu'il a essayé de dissimuler en cliquant vite, mais nous, on l'a vu. On sait que t'es là. Allez, claque-le maintenant, là. T'as vu comme il a essayé de le faire passer vite l'aubergiste en mode ouais, ah, j'ai rien ouais, dit là. J'ai pas, Ah non. Non, je sais pas de quoi tu vas parler. On l'a vu le stop. Attention. Et bim. Pas Kurbaksuk. J'aime bien son pseudo. Je le trouve drôle. Ouais. Il y a plein d'origines dedans. Ça fait un bruit de monstre, voilà. Pourquoi tu fais un bruit de monstre? Mais je me transforme en chat hein, depuis que j'ai été mordu. Ah, c'est vrai. En chat-garou, en graou. Qu'est-ce qu'on fait là? On lui donne dragon ou chariot? Chariot, hein. Vas-y, bouffe ça. Il nous faut les classes là. Sans les classes, on va pas au bout. Hein. Eh, il a vu, hein, il a vu deux fois. Ah, on prend encore Vras, anti-bête, contre, ça me saoule. Ouais. En vrai, là, pour faire des vidéos, c'est dur quoi, de présenter un peu autre chose. Mais ils jouent tous ça aussi. Trop fort en même Mais temps. Trop fort. Si on veut genre faire des gameplays qui pulvérisent, on joue Izet Trésor. Et... Ah ouais, ok, ça c'est sûr. Et ça pulvère quoi. Mais le but c'est de toujours montrer des listes différentes quoi. De toute façon, s'il n'y a que ça sur le ladder, donc lui il joue une version Dimir, mais ça joue Pareil. quasiment les mêmes choses, c'est juste que ça joue pas d'Amskar. Et ça doit se permettre d'avoir justement des Onyx qui doivent être plus durs à caster dans la version Esper. Mais on peut aussi présenter cette liste, cela dit. J'arrive encore. Trois jeux de début. Il peut avoir une petite botte qui traîne, non? On va y avoir le plaisir. Ah, merci. Il y a une de pev en plus. Excellent. Ça, c'est le plissier. Et 23. Regardez je notre peux trésor. Aussi lui mettre un point. Non. Bon, il bloque alors que ça te fait gagner des PV. Ça écope un peu Ouais. Les corbeaux, Ça, les c'est corbacs. méchant. Voilà, Deux deux cartes de botteurs, merde ça c'est au-dessus. pas mal. Il a le sleeve d'Ymir en plus, il RP jusqu'au bout. Ah, Mais il est avec là. Hein. Elspeth. Il est là, lui. Hein. Comme s'il l'avait capturé. Ah, il est full RP. Il est trop RP. Il retient Elspeth dans ses filets. Ah ouais, non mais lui il a un délire. Ok. Lui il est dans un autre game. Bah ça, typiquement ça me fait pas si peur. Et c'est bien pour tous les miroirs qu'il doit affronter. Parce C'est que vrai. du coup t'es à 20 PV et quand tu joues ça, bah... Ah j'avoue, c'est vrai, t'as raison, c'est une belle tech. Quoi? Alors là Ah on ouais. active chariot. Trop mauvais Ah, de ça. attends. Annulé. Tu peux Ouais, jouer je vais ton dragon. aubergiste. Ah, tu veux dragon dans la phase là? Comme ça tu lui donnes tout? Là, je suis. T'as Non mais il a peur. la pression juste avec chariot. Hein. T'as peur de Brass? Moi je ferai aubergiste, j'active avec deux aubergistes et un chat. Ouais. J'attaque pour 6. Et je clone un chat du coup. Je clone un aubergiste. J'ai pas le droit, mais je demande. C'est jamais. Je fais un autre petit homme. Qui n'est pas nain, juste pour nous faire chier. Il est juste. Il est demi-homme. Il est alphelin. Ça me déconne. Vous prenez pour des cons? Vous croyez qu'on vous a pas vu? On a compris. On a vu que voilà, la synergie nain, ça allait tout casser, donc vous avez nerf. Bon, Pilote-le avec lui-même. je les déteste quoi. Je vous hais les joueurs là. Avec un petit chat Vas-y, quand même. on prend. Là, il est full table, donc on va mettre un autre chariot de Un autre Zika. chariot, ouais. Exactement. Si Vras, on fait bébé jouer. Hein. On fait dragon dans le pont. Et on pilote chariot. Attention, on fait pas le trésor. Ouf! Mec, on a tellement de PV, et plus jamais. Just insane. Fait un truc. Quoi. Jamais tu poses le regard sur nous, ok? Jamais! Pas que basque, pas que back, sac. J'ai plus d'eau. Mais je peux faire ça. Ça pousse. Ça pousse. Ça pousse. La Vega missile. Ouais, j'ai déjà un temps supplémentaire. Non, c'est pas possible, sinon il l'aurait casté à la mano, comme on dit. Suité. Ah oui! Oh bah okay. D'accord. Je vois le genre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de Vras. C'est une bonne indication. C'est ce que tu vas faire, tu vas juste attaquer avec tout. Sans chariot. Pourquoi sans chariot? Comme ça, il le tue pas. Et il prend. Là, il a un anti-bête canule du coup. Et pourquoi il le tue pas là? Comment mec ça, il le tue bourre. Pas? T'es sûr qu'il a un anti-bête? Mec bourre, T'es c'est sûr de toi? Sûr, 100%. Mec, j'ai le seum. Je voulais faire un putain de chat, moi. Tu lui mets autant de dégâts. Regarde-y comme il est beau. Ah ouais, mais j'ai un chat de moi. Un chat de moi. C'est pas grave. Fin de tour. Mec, j'adore. Et là, il est content avec ses anti-bêtes. J'adore les chats, gros. Il n'y a pas d'anti-bête, tu vois, il a un piocheur. Mais si. S'il fait deux piocheurs.
Non, il a piocheur contre. Piocheur contre, je te le dis. Je connais. Tu connais? Ouais. Ah. Ça a dans la Allez. tête Blum fumé, hein? Mec, c'est terrible. C'est terrible. Ça va à rien, tu vas te faire un chat. Oui, c'est vrai. C'était juste prendre un risque. Et chien du cosmos, ça c'est pas mal. On va contrer, on va se Bah ouais. Bah là, il a un jeu de vue, je te le manger dis. le cul. Oh! Voilà, kiff chariot. Mais non. Mais non. Ah, il avait Ah! l'anti-bête, il est J'ai bon. dit! Il est bon. J'ai dit! Oh, j'active le chariot. Pourquoi t'as pas activé le chariot? Ben, on pouvait pas, j'ai déjà demandé de passer en phase d'attaque. Oui, mais tu pouvais déclarer tes attaques en paix. Je suis fou. Je suis fou. C'est terrible. Ah, c'est terrible. C'est C'est terrible. terrible ce qui se passe. Aïe, aïe, Ah, aïe, mais aïe, on aïe. s'en fout. Enfin, on n'aurait pas gagné de toute façon. S'il finit à 4 pef. Ah, son élixir qui fait bien chier là. C'est dur, hein. Re regarde donc comme Ouais, c'est je dur. sais, hein. Les antipodes, des rois, des pieuses, antipodes, des rois, des pieuses, des tours sup qui sont pas au cimetière. Des bas de bibou, des bides bas de bibou, des bides bas de bibou, des bides bas de bibou. Allez, remets un dragon. Ah bah, Et là, il a jeté est-ce vu. que j'avais une autre option de toute façon? Là, il a jeté. Eh oui. Il a eu du mal, hein. Oh, j'ai le Et tu contre. sais quoi? On va aller chercher un autre gameplay. On va à la On pêche. va, voilà. Vous avez quelque chose pour nous? Des brasses, des comptes, des... Ouais, non, pas toi. Encore un autre. J'ai l'impression de junker alors que je veux juste jouer un vrai deck. Tu peux concéder dès que le mec land Et non, parce Malalor? que c'est mon rang. Putain. Donc Je c'est demande. non. Non, mais je demande. Non mais oh. Tu pouvais dire oui et on aurait passé un bien meilleur moment. Eh gros, on sort les trésors. J'ai tout le deck à chaque fois. Ouais. Confession sur le format. Format sur le fession. Après, Grull en vidéo, ça ne fait jamais de bonne main aussi. Ça, Merde. c'est une bonne main. Ça, c'est bien. Ça, mon gars, C'est une c'est un bonne main. dragon. Oh, il a un très beau cible, monsieur. Oh, Ah, mais c'est un trop. excentrique. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Je sais pas, mais je suis Qu'est-ce qu'il content. Je fait? suis content. Je sais pas, moi, ce qu'il fait, donc je suis content. Mec, il joue Meul, on s'en bat les couilles, gros. Il joue Izzet Meul. Eh ben, let's go. Franchement, GG. Ah, mais non! Il doit jouer Izzet Dragon avec une tech contre les contrôles. Trop smart. Mais non, ils font que voir ses contrôles, ils s'en foutent de grab des ruines. Mais ils perdent à la meule en fait. Et lui, il a des contres derrière. Ouais. C'est une menace pour Ouais. un. Mais dis donc une Magda. C'est rigolo quand même. Hein. Et moi, je m'amuse. En vrai, je suis content moi de jouer contre ça. Je découvre. Jumpstart historique, c'est quand déjà? Ça devait déjà être sorti, putain. Ne rappelle pas les choses qui sont tristes comme ça. 26 août, hein. C'est Et pas demain. non, c'est pas C'est demain. pas demain On non aurait plus. préféré. Tu sais que même quand la vidéo sort, c'est toujours pas demain. C'est dans combien de dodo quand la vidéo sort? 8. C'est dans 8 dodo. Je C'est dur, crois. hein. C'est dur. Ou peut-être même plus, je Alors, sais même pas compter. on va le bourrer. Si c'est ça, c'est ça. On est le 18 là actuellement. Ça sort, on aura Ouais. déjà repris le taf, tu te rends compte? Ça me met un seum. Historique, ouais. Ça me met un seum historique. Le seum historique. Ça me met un seum historique. Allez! Allez, Vokma! Allez, oui! Oui, Un point, le Mammouth, loup. contre. Bah du coup, je vais tourner autour, si tu me permets. Ton dos, toi. Mais prends-toi bien, Vras Draconique. Mec, si je joue Vras Draconique avec son crabe des ruines, je chie gros. Il fait fin de tour, je draw 2 en aventure. Je mets À tout, mon hein. tour, j'exile le draw 2, 4 points. Ou même pas, il veut juste faire écraser les faibles qu'il a mis en aventure. Je m'étire. Oh, on dirait une abeille. Oh! Bzz. Bzz. Il a contré ce co-griffe. Il a co-griffe. Laisse compter. Con un peu. Et rentrer dans notre bête. Ou alors il se dit putain j'ai 5 contre en main, je compte tout ce qui bouge. Il joue un truc, boum, c'est non. Ah oui, enlève-nous nos meilleures cartes là. Je suis content. En tout cas, le deck est bien mélangé. Hein. C'est un land, carte active, un land, carte active. Ok. Gigagou gagou. Son père la meule avec crabe des ruines, gros. Je change officiellement de deck. De deck.
De tech. On fait que des doubles deck tech, c'est Ah ben pratique. c'est quand le format va mal. Un point, mammouth, mes couilles. C'est quand on... Quand on a envie de proposer des nouvelles choses aux gens et que le ladder nous l'interdit tout simplement, Ouais. qui pouvons-nous? On essaye, hein. Mais on n'essaiera plus, je crois. Et qu'on va juste démocratiser Grixis Trésor. Enfin, Lisette Trésor. Pourquoi je dis Grixis? Parce qu'on avait déjà joué Grixis et c'était moins bien. Oh, c'était moins bien, c'était Enfin, en bien. vidéo, ça avait été fantastique, hein. Ouais. Mais après coup, c'était moins bien. Dintin. Allez, allez, Vakma, vas-y, un courant, on sait ce que tu fais là. Oh, fais le vite, s'il te plaît, Vokma. Ouais, si tu fais, fais Je sais pas vite. ce que tu fais, mais fais vite, quoi. Et putain, chaleur. IA où? Où? Ah, i Ipkiss. Please. Oh mec, land le mammouth. Mais non. Qui se respecte. Mais pas du tout. Fais passer Magda là, maintenant. Hein? Ouais. Je joue ça ou... Non, Magda. Mais pourquoi? Je sais pas. Trop Pourquoi gros. faire? Non, je joue des cartes là, ils nous empêchent là. Ah, il nous mêle bien. Il est en train de marcher son plan, la con. Sais qu'on va la gagner celle-là. Hein. Mais j'espère. J'espère, C'est sinon sûr. on doit sortir Izet Trésor. Oh, c'est le garde-fou. Mais c'est le À chaque garde-fou. fois que le À gameplay se chaque passe fois qu'un mal, mec est chiant... ils aient de trésor. C'est pas possible, on fait rien avec ce deck. Il est nul, voilà. Il est nul. Il est nul le deck. J'avoue, franchement. Bah, je sais Un jeu, pas. on draw des cartes, c'est nul à chier. Les cartes sont nulles à chier. Mais il peut y avoir Class Rodeur, tu vois. Dragon d'Orpan. Ouais, mais je sais pas, moi. Chariot d'Ezika. Ouais. Non. Tout ça, quoi. Il y a de la merde. Que de la Mais voilà, elles merde. sont là, les Class Rodeurs aussi. Mais oui, Ils déjà. les virent. Regarde, 1, 2. 2. Chariot et un dragon d'Orpan. C'est Une dur, chariote hein. d'espace, mon gros, je vais me transformer. Là, c'est quelque chose dans ce Bibam gameplay. boum baby. Je reste calme. Il faut que quelqu'un garde la tête froide ici. Oh putain, tue-moi cette merde. Il nous reste que 30 cartes. Oh, il le contre. Eh non. J'ai mon crabe. Ça, c'est deux points qui partent. Tata, phase attaque d'abord. J'avais vraiment envie de m'en Ouais, foutre. je voyais que Mais tu t'es non, fin de vraiment tour, je enroulé. fais juste un. Je buff mon escogriffe, non? Oui, c'est vrai. Dommage, on pouvait mettre deux. C'est D'accord. pas bien. Mais une fois qu'il est de deux, il va. Hein. S'en fout. Il va tellement jouer des tours sup et tout. Il va tellement faire des trucs trop chiants. Merci. Ah, mais Ne non, rentre pas dans le contre. mais oui, il y a un contre. Donc J'avoue. vas-y, mets-y 3. T'es sûr, je peux pas passer Non, tour? non, 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 non. Et il faut y aller. C'est bon, on a 3 points, on a le beatdown. Mais Magda qui va contrer parce qu'il veut tout contrer, lui. Parce qu'on n'a pas de mana, c'est bien, parce qu'une fois qu'il aura fait Vras, on pourra pas aller mettre des points avec le repère. C'est vrai, il veut tout contrer, putain, tu l'as J'ai dit. mentalisé. Tu dis, lui, il est con, il J'ai contre dit, tout. fuis. Tiens, tu contres? Oui. Tiens, montagne. Oh, je contre montagne. Ouais, tu peux pas contrer montagne. Fais-lui On ton se coup de... contre pas Fais-lui tes... Fais-lui tes croûtes de pizza, il bouffe tout le con. montagne. J'ai déjà dit que j'ai vu un mec utiliser des croûtes de pizza comme mouchoir. Il ouvre la croûte. C'est ignoble, ignoble gros. Après, elle a mangé. C'est ce qu'ils font à Non, il n'a pas Pizza Hut quand ils mangé. mettent le fromage dedans. Vous voulez la mozza crust? C'est quoi mozza crust? La surprise du chef. Allez, 3 points, Val. Tu veux 3 pas points, savoir? Val. Oh Tu lui donnes putain. Magda, il va contrer encore. Oh, Il putain. connaît pas le deck. Mec, il s'est mouché dans un trottoir. Ouais. Mec, c'est fou. Et après, il a demandé, t'as quoi avec le vol? Ah c'est fou, du coup je sais. Je sais, je suis dans la tête de Vokma. Je sais qui c'est, ça me fait marrer du coup. Putain, génial. Génial. Ah ouais, j'adore cette anecdote, je la connaissais pas en plus. Je crois que j'avais déjà dit. Je pense que j'ai déjà dit, t'as Mais oublié. peut-être j'ai ouais, j'ai oublié ou alors j'étais trop concentré sur la game. C'est beau, hein. Ça pousse. Ça pousse. Mais vas-y, non. Non, 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 non.
Bah, si, ah si, ça, pour activer ça. Ça. Vas-y. Ouais. Non, 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 non. X égale 3. Parfait. Mec, il est mort. Un t'attaque, il est mort. Bah non. En 6. Bah du coup, il est pas mort. Ça qu'on y arrive. Ah, on y arrive. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. C'est de la merde, ça. Tu sais, je deviens un peu... Comme ça. Mec, on va le faire. On va le faire parce qu'il a contré les croûtes de fromage. Après, s'il contrait pas les croûtes, beat down. Hein. Oh là là, c'est mauvais, Jack. Lui, il s'attendait pas. Il s'est dit quoi? Il y a encore des mecs qui jouent des créatures dans ce format? C'est impossible, Yugi! Non! Ça va qu'on est loin. Deux dragons, quand même, qui se barrent. T'active tranquillou ton petit repère de l'hydre. Ouais, mais on le tue pas. C'est pas grave. Ça pousse. Ça pousse. Je vais péter un token parce que je veux le faire 4-4. J'en ai marre de me prendre morsure de gel. Oui. Screwbite. C'est pas du tout le nom de la carte. Pas du tout. Pas du tout le nom de la carte. Ouais, mais je voulais qu'elle s'appelle comme ça. Screwbite. Quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Il est obligé de bloquer le repère de l'hydre. Je suis fou. Obligé de le bloquer. Je crois que je suis fou, en fait. Dans les vacances, me rend fou. Ouais. Ah, j'ai hâte de reprendre le taf. Pour être sain, du coup. Équilibré. Et crevé. Et faire mes streams le jeudi comme ça. Ouais, les gars. J'ai bien travaillé aujourd'hui. Parce que moi, j'ai fait 10h. Moi, je suis PAP. C'est vrai que, par contre, pour les streams, quel plaisir d'être en vacances. Ah, c'est mieux. Hein, après, t'es des streams du mardi soir. De peps, là. Pepsi Max, le retour. Tu peux pas buffer Escogriffe là, en arnaquant? Non. Ah, en arnaquant, oui. Oui, oui. Il est à 1, Val. Val, il est à 1. Tu vas le faire! Tu vas le faire! Il est à 1! On y va! On va le faire. À 1. Ok. Mec, c'est étonnant. Je la sens pas. Je la sens pas. Ce qui va se passer là, je vais vraiment être déçu. Non, il va juste doubler son spell de pioche. Sûr, il fait ça. Allô. Allô. On meurt pas. On meurt pas, on meurt pas. Oui, parce que c'est toujours la moitié. C'est la moitié de ce qui reste. Oh, le mec, il a perdu, il fait « Regarde ce que j'aurais pu te faire !» D'ailleurs, c'était pas bon de copier, il aurait dû meuler la moitié, puis meuler vite. Mec, c'est juste win. Mec, c'est juste gagné, quoi. Mec, c'est juste le létal, quoi. On l'a eu. On l'a eu. Il a fallu mec, qu'il nous meule à la fin, comme ça, pour dire « Ah, regarde, mec, j'ai envie meule. De chialer, quoi. De chialer. Et vous savez quoi? Je le rejouerai plus jamais, le Grul. Jamais. Et pour finir cette vidéo, histoire d'avoir un petit peu de contenu et de game supplémentaire, on va jouer un vrai deck. Joue-moi un vrai deck, Val. Plus jamais, plus jamais. Qu'est-ce que ça comme vrai deck à me proposer? Ah bah je suis en campagne en ce moment. Ah oh, vas-y. J'en ai qu'un. Par contre faut gagner. C'est vrai que j'ai une certaine pression. Il y a une certaine pression. Il y a une certaine pression. Après le deck est fort. Le deck est fort. Si t'as confiance en ton deck. Bah le deck il joue. Deck le rendra. L'âme des decks. C'est pas l'âme des cartes, c'est tout le deck. On joue contre un joueur visiblement japonais. En tout cas avec un pseudo japonais. Garde-y là. Mais c'est vrai là tu vois c'est ce que j'aime pas prendre. Et ben on va l'infliger. Et c'est tellement ah mais mieux. Il s'agit de devenir un connard. Le Vjord. Par contre, il joue mono vert, ce qui est genre vraiment rare et du coup chiant contre nous. Un petit peu chiant quoi. Mec, on va faire bataille, il va dire fontaine et il a perdu. Tu vois j'ai la ref, j'ai la ref. Je sais pas si je devais la soulever, mais. Non, hein, je mais oui, oui. Ah, on les connaît hein, les deux. Tiens, ma tête avec le fauteuil, regarde, donc, j'ai une énorme coupe carrée. Je suis le pote de Arnold. T'as une brosse, tu sais, en mode les militaires furios. Américains, tu sais. Ah ouais. Ou les furios. J'avoue. Mais attends, je tourne ma tête, genre il se passe rien. C'est le, c'est la même incroyable. Chose. En vrai, ouais, c'est ta vraie tête. Bon, ça. This is my vraie tête, ouais. Voilà, juste tu contre. On se fait juste bourrer, quoi, j'adore. Non, là, il fait un truc chiant, genre chariot de Zika, tu dis non. À son tour. Alors, on se fait vraiment défoncer. Ah ouais.
Il faut jouer ça du coup. Mais non, mais c'est nul contre tous les jeux Vras et compagnie. C'est juste que quand on sort un deck qui bat ça, on se prend le counter. Counter. Oh, le counter. Ça va même peu les couilles à l'envers. Oh là, tu fais land, double révélation d'Alrond. Ah ouais, ouais. Into Vras. Into tour sub Dragon d'Orpon. Il a perdu le gonz. Oui, mais faut pas mourir là. Perdu le gonz. Il faut pas mourir. S'il land, on a perdu. Je te laisse compter. 5, 6, 7. Il met les 4. C'est finito. Il compte pas rien. Il est passé en phase d'attaque. Et il veut grid. Et du coup, on est quand même mort derrière. On peut pas brasser et battre le repère. Ne le montre pas. Tu crois qu'il est quand? Land. Bataille de feu de glace. C'est win. Instant. Non. Instant win. Ah ouais? Ah, quoi que s'il a pas de land, là, il met que 3, hein, cela dit. Excuse-moi. J'avais pas vu. Non, parce qu'il peut payer avec lui-même et activer le chef des ICAM. Mais le voit-il? Mec, s'il voit, c'est le boss. S'il voit pas, il a perdu. Je t'annonce, hein. Il ne nous tue pas. Attends, non, non, non. Du coup, il peut activer repère de l'hydre et piloter que deux. Putain, j'ai oui, fait ça. Bon, c'était compliqué alors qu'il suffisait d'engager tous ses landes, mais voilà. En fait, une, elle compte pas, ça. Oui, non, ça compte pas. De toute façon, on est là pour se faire plaisir. C'est officiellement la dernière vidéo sur Standard 2022. Petits commentaires qui vont partir. Ah ben, si vous faites que perdre en ce moment. Et ben là, on a enchaîné. Ça, c'est sûr que fond du panier. Mais vous avez vu nos précédentes vidéos de drafts. Et je vais pas spoil pour ceux qui l'ont peut-être ne pas vu. Pas. Non, mais je vous conseille d'aller voir ce qui se passe. Fait que perdre parce que comme tu dis, on racle les fonds de tiroir quoi. C'est sûr. Mais avec IZ, on racle plus. Non, on racle non plus. Là c'était la variance. C'est quand même un peu fait racler, hein, cela dit. Mais c'est vrai qu'on pouvait avoir des anti-bêtes. On s'est fait racler. Ouais. On pouvait avoir quelques anti-bêtes. On a des screwbites, les fameuses. Les bonnes petites screwbites. Tu gardes ça ou pas? Je crois, hein, parce que ça fait chier, donc oui. Ouais, je crois que je garde, mais c'est chiant. Si c'est un deck contrôle, on a perdu. Ah bah mulligan, il n'y a que ça. Il n'y a que ça. T'es sûr? Il n'y a que ça. Mec, on prend mono blanc, là. Non. Si. Non, là, c'est mono noir. L'arc ennemi, on le démonte. Ah, c'est bien, ça. Ouais, ben, affre. Bon oh bah si je m'y attendais à celle-là. C'est le détonnant. Parce qu'en fait, Grul contre... Mec, c'est bon. Mais on pouvait on pas tomber sur ces match-ups-là, là. On va se venger. Ah ouais, on va se venger. Bah attends, on sait ce que ça fait. Grul. On sait que c'est nul. Rien. On sait que c'est bidon. Si je garde Antilette, je pense. Hein. Ouais. Ah ouais, son mammouth là de merde, là, qui va jouer. Comme ça. Ça dégage. Juste call. Mais comment il connaît cette liste là? Il n'appelle pas de dragon. Enfin, comment il connaît? Si, les gens connaissent évidemment. Mais pourquoi il a la même idée que nous qui n'était pas une très bonne idée quoi? Je sais pas, mais je sais que tu peux faire île enneigée, payer avec ton et l'île. Île enneigée. Petite relation d'Alronde. Avec morsure de gel up. Ouais. Qui fait 3 dégâts. Et ça va swinguer mon gars. Par contre, lui, en termes de curve... C'est pas grave, tu as buté un chat de oui, merde, là. Oui, non, mais il est bien, quoi. On peut dire les choses. Oui. Il est bien, le mec, quoi. Oui. Sans déconner, à un moment. Ça dégage. Mais ne pilote pas, ça sert à rien. Là, lâche. Lâche prise. Land. Garazetu Purissumari. Un bloqueur. Un trésor. On avance. On a 4... Commandement de Prismari qui tue Chariot d'Ezika. Ah, par contre, lui, il a une curve, mon pote. Vas-y, la curve. Oh, il a hésité. Ah, ouais. Pas de bloc. Mais on en a pas. Bah, en fait, pas lui, besoin, ça marche parce qu'il a. Land. Oui! Il est bien, quoi, en fait. Land. Revelation. Et on n'utilise pas de trésor. Ça, c'est très. Il a double morsure de gel là? Ce saligo? Qu'est-ce qui se passe, Val? Je suis en train Qu'est-ce qui se passe, Val, dans cette vidéo?
Ah, mais on peut faire magma au plus. Déjà? Ouais. Bah non. Bah si. Bah non. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bah ouais. Donc bah non. Mais non. Bah voilà. Écoute, on va juste survivre. Ah là, Drone Island, c'est bien ça. Class Roller. Ah, il va activer sa rôdeur. Pourquoi est-ce que le monde a décidé de nous chier dessus dans cette vidéo? Que ça serait la vidéo de l'ultime sel? C'est celle-là? Je crois. Hein. Bah oui, évidemment que tu buffes la 2, c'est le, la 3-3. L'espèce d'insecte qui absorbe les androïdes. Et évidemment que tu te rhabilles. C'est une super vanne, voilà. J'ai pas eu. Je suis désolé, excuse-moi. Et est-ce que je bloque ici? Oui, ah, oui, oui, oui. Pourquoi il le fait pas? Ah, pourquoi il le... Je sais pas. Tu veux la refaire, ta vanne? Non. Ah non, c'est out-timed. Je suis désolé, gros, j'étais dépité. Mais par contre, et à chaque fois que moi je les ai pas, les gens dans les commentaires les ont. Ouais. Et ça, c'est important. Merci les commentaires. Ça te va? Oui. Vendu. Vendu. Ben, un petit chat. Il est fané, en fait. Pourquoi il a fait ça? Et pourquoi il... Gros, je suis dupe. Voilà. Je sais pas. Mais je voulais qu'on trouve nos landes, ça c'est bien. On tue plus le dragon d'or pomme, on va l'engager. Hein. Attends, que j'ai un truc. T'as peut-être 4 points de dégâts à mettre sur ce qu'il veut. Ouais. Oui, comme il peut jouer contre. Il peut jouer contre, c'est pas très grave. Genre, si ça, il le fait 4-4, bon bah. Oubelus. Pubelus. Ah bah genre là il va le faire 1000-1000. Il va le faire beaucoup plus que 4-4, mais on va engager les deux. Hein. Ah, peut-être qu'il le fait pas grand justement pour activer Chariot. Class Roder. Ou pour mettre Chariot, ouais. Oh, ils sont bas les couilles. Hein. Juste, il en a rien à foutre quoi. Et moi à sa place j'en aurais aussi rien à foutre en fait. Allez. Fais un trésor avec Mago Opus. 4 points c'est fou. T'imagines histoire de bien être fané quoi. Ok, j'ai deux trucs. Et let's go. Et mon tour. Après maintenant, on peut piocher les autres magma opus, on peut piocher les dragons d'orpon, on peut piocher les supplémentaires, il peut se passer plein de choses. Diverses et variées. Il peut même pas activer la classe rondeur. Eh, il a pas piloté en réponse. Et on a pioché deux landes. De merde. Ah, ah bonne carte ça. Ah, je vais directement le jouer maintenant pour trouver un actif. On va... Pioche 2 et détruire un Arthos. Nous. Son truc là. Vous. Nous. Vous. Trouve un coup. Oui. Ah oui, non mais c'est quand même pas facile. Hein. C'est pas facile. C'est quand même, il faut vraiment quand même que les gens nous cassent... Il faut aller au bout, ouais. Ah ouais, je suis d'accord. Là, tu peux fiant de volatile. Ouais, je peux aller mettre des points. On gagne la course, mais 4 points, ouais. Ah non, on gagne pas la course avec ça. Pas du tout, mais... Je vais mettre juste 4 ouais, mais points, tu bloques mal donc. Ouais. Non, mais je veux dire, je vais pas attaquer avec celui-là. Quoi. Ah non, non, le piaf, il reste. Et je vais pas attaquer avec ça non plus. Non plus. Ah, quoi que si, on gagne la course. Hein. S'il ne one-shotait pas, il était full tap. Donc s'il avait pas de bête à jouer, on le tue en 2 tours. Avec le havre. Ouais, mais il aurait juste pas attaqué dans ce cas-là. Oui, du coup, il aurait juste pas attaqué. Non, non, vas-y, on va rester comme ça. Je préfère avoir jeté vu up pour une catastrophe qui pourra arriver. Catastrophe maintenant. Mais il sait qu'il peut le buffer ça ou pas? Mais il va le faire après, je pense. D'accord. Ouais, mais c'est vrai, il avait pas moyen de trouver un autre dragon d'orpon? Je prends ou pas? Je peux prendre 6, ouais. Tu penses? Ok. Et la double strike, on prend 12. Double strike. Ok, fine. Je voulais mettre dessus. Et pas de mettre dessus. Nice. Ok, 4 points. Je vais mettre 4 points encore une fois. Hein. Ah là tu peux. Merde. Attends, est-ce qu'il peut la bloquer? Est-ce qu'il peut la bloquer là? Non, il a fait que 3-3, on est d'accord. 3-3, ouais. Non, mais il peut la bloquer. Il fait double mana avec les trésors. 1, 2, 3, 4, 5. Donc il peut la faire suffisante, ouais. Donc pas de bloc. Oh. L'attaque. À vous de jouer. Par contre, Samwise. S'il te plaît, Samwise. Il mettait 100 temps au début. Excusez-moi. Hein. Reste flexible, s'il te plaît. Solide sur tes appuis. Agréable. C'est si long. C'est possible. Oh, regarde, il joue une daube. Ouais. Tu connais, toi, ça? Ouais, j'en ai plein. Dégage.
J'espère que ce sera instable. Bah t'es riche du coup, si ça devient instable. Hop, ça dégage le mammouth. Et le mammouth, toi. Je vais bloquer. Là, un on moment, commence à bloquer je maintenant. Crois, hein. Ah, je crois que c'est une double lose. Hein. Non, non, non. On va piocher un magma opus, un tour supplémentaire. Oui, on a des tours sup aussi. 4 magma opus, 4 tours supplémentaires. On peut les draw. C'est genre, le deck, il est claffi. Si tous les méchants, ils ont du sang sur la neige, pourquoi est-ce que nous, on n'a pas magma pas opus truc, tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est terrible. Je ne peux pas accepter ça. C'est juste un nom. Ferme et définitif. My turn. J'y vais. C'est déjà pas mal. Fais donc un trésor. Ouais. Et au 2. On prend un Galazette pour bloquer et pas crever. C'est plus pas facile que c'est compliqué quand même. Mm. Pour pas grand chose. Hein. Pas grand chose, ouais, on pioche rien. On pioche un magma opus en 22 cartes. Le deck c'est 4 magma opus, 4 tours supplémentaires, des antibêtes et des accélérations. Ah, on a eu un tour sup. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Il est en exil. Donnez-nous-en d'autres. Sur la moitié des cartes, on doit en voir d'autres chats au moins. Il y a 6 cartes patatos qu'on peut piocher. Ça va le faire. Je pense qu'on va la gagner sur le fil. À vous de jouer. Non, non, moi je n'imote jamais vraiment l'espèce de mépris du mec qui te spam imote et je ne réponds jamais. Il est peut-être parti. Hein. Il y a peut-être déco. Ça compte hein, si c'est déco. C'est une encore plus belle victoire même. La victoire ultime. Et lui, du coup, il nous grind avec la Shrouder et tout ce qu'on voulait essayer de vous montrer dans la vidéo. Mmh. Et que bah malheureusement, la variance fait qu'on ne vous montrera rien dans cette vidéo. Juste deux personnes un peu aigries. Ah bah, voilà. Il est bien ce land V1. Celui-ci ? Mmh. Trop fort. Trop fort. Je pensais pas à moi quand il a été révélé. Non, ça paraissait un peu cher pour un truc qui piétine bas, qui a pas porté, mais en fait... ça grind. Hein. Ouais. Celui qui est... Le bleu aussi est pas mal. 7-7 parade. Ouais, mais il coûte cher rose, quoi. Coûte 6 pour une 7-7. C'est des meilleurs stats que le repère de lead. Hein. Ouais, mais le repère de lead, il est pas mais obligé de faire payer. Plus. Voilà, tu vois, il... Ou moins. Il peut coûter moins, quoi. Non, on peut double bloquer le repère de lead. Et on n'est pas mort. C'est pas mal, hein. Mm. Ah ouais, c'est même très bien. Et ça nous laisse un top deck. Ouais. Ouais. Ok. Il aurait d'ailleurs pu se prémunir de ce top deck là, s'il avait voulu. Ça va être le moment. Ça va être le moment de top decker. Il a gardé 8 mana. On en a besoin. Ouais, il faut. Le club en a besoin. Ouais. Tout le monde en a besoin. Tous les nouveaux. La carte du dessus. Une autre. Avec cette mana, je pense que si c'est une créature, il peut la caster. Je pense qu'il nous casse un dragon dans le coin. Ah, Shao des Ika. Ok, ça a commencé à devenir compliqué, même avec des magma opus, malheureusement. Il faut un magma opus, mais on a le droit de trouver un tour sup dans magma opus. Mais pourquoi il fait ça? Déjà, c'est pas bon. Et pourquoi il fait ça? Attends, je comprends même pas là. Il avait ça dans son deck? Ouais. Qui nous tue là? Qui nous tue. Et en plus, ça learn. Du coup, ça ne met même pas fin à la partie tant qu'il a pas truc. J'ai l'impression que c'est le BM ultime là. Et Samwise, c'est une horrible personne. Donc depuis tout à l'heure, il joue alors qu'il a l'étal. Écoute, moi je pense qu'on peut continuer jusqu'à gagner. Hein. Une dernière? Au pire, après, je vais me foutre en l'air, moi. Donc, on n'est pas obligé de voir les autres, au pire. Hein. C'est vrai, mais mentalement, nous, on est subis. Nous, on est au courant. Vas-y, une dernière. Comme ça, on voit ce que ça donne. Mec, on va prendre Isette Trésor et on va taper des gens qui jouent des blèmes titubantes. On ne peut gagner, quoi. Bah, pas dans cette vidéo. Joue ton mal. Ou tombe-t-on sur Dieu? Non, je crois pas. Je crois qu'on tombe sur les... On est battu par notre variance. Poipu. Poipu. Poipu, lui. Il est gentil, Poipu. Le switch de deck va payer. Maintenant. Garde.
Il y a Torsup, il y a Magma Opus. Putain, mais attends, on en a pioché qu'un de chaque sur 23, 24 cartes. Merde. Merde. Pas grave. Ça, ça, c'est ce qu'on veut voir. Ah non, bah non, bah non, bah je, non, non, je ne sais pas mais ce que font les gens. Qu'est-ce qui se passe, je ne sais pas, moi, ce que font les gens. Je découvre, je suis spectateur du même désespoir que toi. C'est ubuesque. Ubu. Ah, on est dans l'ubuance, ouais. Alors, ça fait quoi, ça? Plus un lifelink, et il est hard quand il le joue. Mais du coup, quand il va faire badge équipe, nous, on fera comment on prise pari? On tue la bête, on tue l'équipement. C'est vrai. Voilà. C'est la bonne carte, ça. Là, il se passe des queutrues. Hein. Ah, il se passe des queutrues. Là, il se passe des queutrues, mon pote. Ah ouais. Ah bah elle a dit ok. Je dis ok. Bah je fais commandement de Prismari, je tue l'entrave-sort et je tue... Mais tu peux pas, si je dis ok, il prend ma main quoi. Mais non. C'est en réponse au trigger. Ah oui, quand tu arrives en jeu, ouais. Là, il faut pas dire ok. Ouais, c'est bon. Non mais je suis con, je deviens fou. Est-ce qu'on détruit sa plume vraiment ou on s'en fout? On détruit. Tu détruis toi ça? Ouais, ouais. Mec, c'est plus un lifelink qui sont à foutre. Mec, détruit. Mais pourquoi? Non, mais pourquoi? Je fais un trésor, non? Oh, tue seulement. Hop, ça dégage. Du coup, là, il est obligé de nous prendre Dragon d'Arpent, sinon il se prend tour d'après. C'est ça. Est-ce qu'il s'est passé qu'on va en piocher un autre? Ça, je suis pas sûr, mais... Ah, mais je l'ai vu, moi. Ah, tu l'as vu? Ah, je l'ai vu. Voilà. Tu lis dans les... En confiance, tu sais que j'ai des prémonitions, j'ai des dons de clairvoyance. Mec, ça serait juste insane. Quoi? Mec, bourre-le. Du coup, on ne pioche pas puisqu'on n'a pas été défaussé. Je comprends pas du tout le. Maintenant, tu lands Arbre de son visage. Ah oui, c'est vrai, je peux juste niquer mon token. Mais attends, je comprends pas pourquoi il nous a pas pris Dragon d'Arpon, il s'en fout. Ou il a pas vu. Il doit avoir anti-bête, je sais pas. Pas cassement d'âme, mais bon. Mais nous, on a jeté vue derrière qui est posé, et il le sait. Enfin, il le sait, il se doute en tout cas que la possibilité existe, quoi. Écoute, on est content. Moi, je préférerais gagner contre quelqu'un qui joue bien, quoi. Ah, va alors, on va pas faire le difficile. On prend tout ici, hein. Tu as bien vécu la vidéo que j'ai vécue aussi. Tu vois bien que c'est pas facile de gagner. Ben franchement, moi, en live, les gens sont témoins, je gagne avec ça. Hein. Genre sans trop de problèmes, ouais. Hein, de manière très fonctionnelle. Tu l'as quoi. Vu. De quoi? Sa maîtrise. Putain, j'adore cette blague en plus. Tu m'as tendu la perche, je ne l'ai pas saisi. Ouais, c'était poli. Alors que moi, je suis pas poli dans la vidéo. Il faut bien que quelqu'un soit poli. Bah, il faut... Oh, mais attends, c'est pas Magma Plus là qui part. Ou Torsup. 5, 6, 7, 8, 8. Oh, j'ai eu tout super. En fait, tout, juste tout. Mais là, je sais pas pourquoi il nous a donné la game en fait. Il a dit, tiens, gagne. Là, je vais gagner. Je crois que c'est un viewer, il a dit, c'est Poipu. Poipu, le bon viewer, il a dit, ouais, c'est bon, je les régale. 6, 7. Tu grid toi. Ouais, je m'en fous. Bon, je m'en fous. Comme ça, tu m'agnes au plus de son tour. Ouais. J'ai l'impression que ça fait 4 ans, il a pas joué. On me bat un peu les couilles. On t'a pas les. On s'emballe. On s'emballe, de ouf. On s'emballait un Mars. Mais je l'avais, je me suis dit, ouais, je la fais pas. J'ai dit, elle est un peu faible celle-là. L'autre Gugus, il la fera pour moi. Des fois, je t'en laisse. J'ai dit, tiens, il aime bien sur là, je pense. Je lui laisse la petite vanne. J'ai des tics et des tocs quand je joue. J'aime bien cliquer au milieu des choses. Voilà. Ouais, t'étais un peu décalé, je crois, là, surtout les derniers clics. Eh gros, je suis pas un joueur de CS, hein. Ah, attention, qu'est-ce que tu veux faire ? Comme pas dans l'œil, mais pas, l'œil est crevé, quoi, du coup. Moi, j'ai une sensi extraordinaire aussi, tu vois. Là, je me sens un peu nerfé. Non, c'est marrant parce que dire à quelqu'un qu'il a pas le compas dans l'œil, ça veut dire qu'il estime mal les choses, tu vois. Et alors qu'avoir un compas dans l'œil, c'est juste avoir l'œil abîmé, quoi. Ben, c'est ça. En fait, un compas, c'est outil de mesure. Ouais. Mais le compas qu'on connaît, nous, c'est-à-dire pour faire des rosaces de merde. C'est un outil d'attaque. C'est un outil d'attaque. Ça, c'était une vaccination contre le tétanos quand on était au collège. T'as pas le tétanos ? Bah, c'est bon. C'est bon. Parce que moi, ça fait 6 ans qu'il est dans la trousse, donc j'espère que tu l'as pas, quoi. Et là, il nous rope. T'as vraiment une collection de caca, cette vidéo. Elle est formidable. Le caca, tu vois. C'est honteux. Mais en tout cas, ce qui est bien... C'est fantastique. C'est que l'idée d'avoir un compas dans une trousse et même des ciseaux, tu vois, à des enfants, c'est comme si on disait, on prenait le crayon HB2, du papier canson, des protège-cahiers et un couteau. Hanté. Comme N'Golo. N'Golo cranté. Pas quand je bois, gros. J'ai failli...
C'est genre. Fait tout recracher. Il y a le côté Battle Royale, tu vois. On met à disposition des armes, histoire que tout le monde puisse se rosser. C'est clair, hein. Mec, ça pousse. Ça pousse, hein. Non, Dragon Orphan, et puis juste bingo, quoi. Putain, tu l'avais dit, hein. T'as dit, lui, on va le saucer. T'aurais pu faire comme Samwise, hein. Stop avant qu'il meure. Commandant de Prise Paris, je te mets deux et je suis ton truc. Et je réfléchis un peu. On ne fait pas ça ici. On ne fait pas ça ici. Jouer Z Trésor, vrai bail. Même si ça s'est pas vu dans la game d'avant, jouer Z Trésor. Je sais même plus ce qu'on jouait au début, si on jouait Grul. Grul. Deck Tech, 100% victoire. On l'avait promis, on l'a fait. Elle est là. Beaucoup trop de games de trop, mais je sais que ça vous régale. Donc voilà, dédicace à ceux qui disent qu'on perd tout le temps. Mais là, effectivement, on a perdu. On va l'appeler la vidéo de trop. Mais on a quand même gagné une fois avec chaque deck, je crois. Standard 2022, la vidéo de trop. La vidéo de trop. Ah, on a gagné avec Grul ? Ouais. On a gagné contre le joueur IZ qui est contré tout. Ah putain, on faisait land, il faisait. Elle est parfaite cette vidéo alors. Parfaite, 100% win. Pouce bleu, commentaire, partage, abonnement, réseaux sociaux en description. Et surtout, n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne. Si vous aussi vous souhaitez nous aider, le lien de notre page est dans la description.